Il est complètement sans filtre et c'est pour ça qu'on l'aime. De qui je parle? Je ne parle pas de Damien Thévenot, je parle de Jérémy Ferrari. Bonjour. Il est sans filtre aussi, Damien, dans le privé. Ah, merci, Jérémy. Mais bah, il est sage, mais moi, je le connais. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Jérémy. Merci beaucoup d'être avec nous, Jérémy Ferrari. Vous serez les 9 et 10 mars à l'Accor Arena pour les dernières représentations de votre spectacle Anesthésie Générale avec... C'est ça qui est dingue. S'il vous plaît. Une retransmission dans tous les cinémas de France le dimanche 10 mars à 17h. C'est la dernière. Est-ce que ça vous fait quelque chose? Ah bah oui, c'est un spectacle. C'est une longue tournée puisque ça a démarré avant le Covid. C'est un spectacle assez personnel. Donc c'est une grosse page de ma vie que je tourne, quoi. Donc forcément. Ça aurait duré combien de temps, Jérémy? Moi je vous avais vu à la Mutualité. Donc c'était il y a quoi, 3 ans? En 1996. Non, c'était, c'était. Vous imaginez? Ça a dû... Non, mais avec le si on prend le Covid, ça fait 5 ans que je suis sur ce spectacle. 5 ans avec des salles pleines de 3-4 000 places. C'est incroyable, cette histoire d'anesthésie générale. Oui, le spectacle a été un vrai succès. Et surtout, en fait, ce qui est fou, c'est qu'on avait vendu énormément de tickets avant de démarrer la tournée. On a eu pratiquement 2 ans d'arrêt avec le Covid. Et les gens gardaient leurs tickets, ouais. Ce qui n'a pas été le cas pour tous les artistes. Donc, j'ai vraiment eu de la chance parce que quand ça a redémarré, j'ai pu redémarrer la tournée. Et vous êtes généreux parce qu'il fait combien, le spectacle? Le spectacle fait 3 heures. Ouais, mais c'est hallucinant. On a cru que c'était un bug, nous, quand on l'a regardé. 3 heures. Mais on ne s'ennuie pas. Alors, je l'ai vu. On pourrait dire c'est très long. Ouais, on ne s'ennuie pas une seule seconde. C'est brillantissime, franchement. Mais après, le spectacle, normalement, ne durait pas 3 heures. Il durait 2h15, 2h20. Mais j'ai créé un spectacle sur la santé. Après, il y a 2 ans de Covid, j'étais obligé de rajouter du texte. Donc, on est arrivé à une version de 3 heures que j'ai testée. Et puis, effectivement, je ne sentais pas de trou en salle. Je ne sentais pas de baisse de régime. Donc, je dis, bon, on va le garder comme ça. Allez, regardez Jérémy Ferrari sur scène. Ça donne ça. Donc vous l'avez compris, ce spectacle n'est pas un spectacle de dénonciation, c'est un spectacle de vengeance personnelle. J'ai tapé homéopathie à vie dans Google. Oh putain, il se faisait matraquer la gueule, on aurait cru des PD en claquettes devant une caserne en Yougoslavie. Mes journées, c'est essentiellement de la frustration. Regardez mes journées, je vous l'ai fait, regardez. Hop, j'ai créé une vanne, je me dis, ah ben non, je la raye, celle-là, ils vont pas la comprendre. Alors ensuite, je me suis renseigné sur les ingrédients qui constituaient les traitements homéopathiques. Mephitis putorius, c'est de la glande anale de putois. Et c'est recommandé en cas de trouble du comportement. Ou bronchite. Jérémy, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas faire rire gratuitement, entre guillemets. C'est-à-dire que un de vos précédents spectacles, c'était sur la guerre. Là, c'est sur la santé, l'industrie pharmaceutique. Vous vous ennuyeriez à raconter, je ne sais pas, le quotidien de Marie à la maison, avec enfants, Marie, chien. Non, de Marie avec Aïe. Super histoire. Avec Aïe, il vous faut du fond. Vous êtes un gars qui veut du fond. Oui, alors après, j'écris des choses parfois plus légères. Je pense... dans les duos impossibles, ça m'arrive de faire des trucs plus légers, ou avec Baptiste et Arnaud, je fais des trucs plus légers. Moi, j'écris aussi parfois pour des humoristes qui ont des univers plus légers. Baptiste Le Caplin, Arnaud pardon, de Samer. Oui, Baptiste Le Caplin, Arnaud de Samer, je parle de ça comme si. Oui, bah. Oui. Mais et donc, je sais écrire des choses plus légères, et ça m'amuse aussi, mais pour moi, sur scène, je trouve que c'est plus stimulant. Ça m'amuse plus, ça me challenge plus. Il n'y a pas que le stress de la scène, il y a aussi le stress des propos. Il y a une excitation qui est un peu plus forte en allant sur ces sujets-là. Et puis, effectivement, j'ai moins l'impression de faire venir les gens juste pour m'écouter, pour avoir un trip un peu égotique, quoi. J'ai l'impression de faire un truc chouette. Mais ça fait longtemps que vous aimez comme ça être dans l'introspection, même choqué. Regardez ce que vous disiez il y a 20 ans. Vous aviez déjà écrit un spectacle. Et c'est incroyable Collector. Parce qu'on vous reconnaît et vous êtes super mature. J'aime bien prendre des sujets qui choquent les gens, en fait. Enfin, j'aime bien tourner à la dérision des sujets qui font pas rire habituellement, quoi. Et puis, bon, ben, dans un spectacle, je pense quand même que c'est important. Donc, j'ai mis quand même quelques piliers dans les spectacles. Des piliers, pour moi, c'est les gens... Enfin, c'est des sketchs où les gens se reconnaissent tout de suite, quoi. Comme la belle famille, la dispute, des choses comme ça, où là, les gens se reconnaissent. Vous vous souvenez de ce document, Jérémy? Je me souviens vaguement de l'image, parce que je l'ai déjà revu il y a quelques années, mais à chaque fois, ça m'amuse, parce que c'est vrai que j'ai pas tant changé que ça, mais finalement, non, en 21 ans. Et la maturité, vous voyez ce que dites, à 18 ans déjà, quoi. C'est... Ouais, mais je faisais déjà des sketchs comme ça, alors un peu moins abouti quand même. J'espère qu'en 21 ans, j'ai un peu progressé. Ah oui, mais il y avait une bonne base, quand même. Mais j'étais dans le même délire, oui. Et c'est une histoire de famille, l'humour, comme ça? Oh, une histoire de famille, mais j'ai pas des parents humoristes, mais... Ma mère et mon père sont des gens assez, assez marrants. Ma mère aimait beaucoup me faire des... Le soir, moi, elle me racontait pas des histoires, elle me lisait pas des livres, elle me disait, tu me donnes 3 mots et je te raconte... Elle improvisait une histoire. Et mon père était plutôt le souffre-douleur à la maison, on aimait bien le piéger. Comme il rentrait un petit peu plus tard que ma mère, elle aimait bien
On avait bien piégé son parcours quand il rentrait, mettre des pétards sur la porte. C'est quoi le coup du tatouage, Jérémy? Le coup du tatouage, c'est ma mère, un jour sur les histoires qu'elle me raconte le soir, elle me dit « bon, il faut que je te dise ». L'histoire est un petit peu longue, hein. Je sais que vous êtes très clippé le matin. Non, allez-y, ça m'a l'air. Je vous la synthétise. À la ma mère break. Me dit, bon, comme tu le sais, ton père est allé en prison. Alors que non, vous ne saviez pas. Je rigole, parce que je sais qu'elle ne me raconte que des conneries. Ouais. Et puis elle me dit, il a un tatouage dans le dos qu'il a fait en prison. Et je dis, mais je ne l'ai jamais vu à la plage, non, parce qu'il met de la pommade pour la cacher. Donc elle va voir mon père, elle lui dit, j'ai dit à ton fils que tu avais un aigle royal dans le dos. Et ma mère dessine plutôt bien, donc ils vont dans la salle de bain tous les deux. Et puis avec le dos du stylo, elle lui fait croire qu'elle lui dessine un aigle comme ça. Et en fait, elle lui dessine un tout petit poulet. Mais lui, il pense qu'il a un aigle, lui. Lui, il a l'impression d'avoir un aigle. Et mon père est assez costaud, donc il arrive dans ma chambre, et alors il enlève sa robe de chambre comme ça, puis il gonfle son dos. Il avait un poulet comme ça au milieu des omoplates. Mais vous aviez quel âge, là? Mais j'avais, je sais pas, 8 ans, 9 ans. Mais vous aviez compris que c'était du second degré? Ah oui, mais elle faisait que ça. Ma mère, elle m'a fait croire un jour, au-dessus de chez mes parents, il y avait mon arrière-grand-mère qui habitait. Dans les Ardennes. Et son mari, on l'appelait parrain. C'était pas mon vrai arrière-grand-père, mais bon, je sais pas, on l'appelait parrain. Et un jour, elle me dit, tu sais que parrain, il a un jumeau. Je dis, ah bon? Elle me dit oui, il vit dans le grenier. Non, bon, il vit dans le grenier. Ça pourrait vous faire peur. Je vais te le présenter. On monte dans le grenier, il y avait un tapis qui était enroulé. Elle me dit il est là. Non. Ah, mais formidable, c'est dit à bonne école. Bon, c'est pour ça que c'est un qui me choque, moi. Jérémy, vous n'avez pas toujours fait que des blagues. Vous avez aussi joué Rimbaud. Vous avez joué Rimbaud. Et on a retrouvé votre ancien prof de théâtre, Monsieur Nyon. Vous vous souvenez de M. Nyon? Bien sûr, bah, je m'en souviens, je l'ai encore vu. Je l'ai au téléphone pratiquement une fois par semaine. Regardez, la France entière va découvrir Monsieur Nyon. C'est à vous. Après mes 7 péchés capitaux, quel souvenir gardes-tu de l'Arthur Rimbaud que tu avais si magnifiquement interprété dans Deux chaises vides de Bertrand Mathieu que j'avais mis en scène? Je t'embrasse. Bruno, c'est mon papa de théâtre. C'est vraiment lui qui m'a mis le pied à l'étrier, qui a même dit à mes parents à 17 ans, vous pouvez le laisser partir, ça va marcher pour lui. Wow. Ce qui est quand même une grosse décision, une grosse responsabilité de dire ça à des parents à 17 ans. Et Bruno, en fait, Bertrand Mathieu, c'est un peu le traducteur le plus célèbre de Arthur Rimbaud aux États-Unis. Et il a imaginé une pièce de théâtre entre Van Gogh et Rimbaud, puisque quand Rimbaud part à Londres, il a 19 ans, et Van Gogh vit dans la même rue que Rimbaud. Et en fait, il y avait un bar entre les deux appartements, vraiment à équidistance. Connaissant l'amour de l'absinthe des deux, on imagine qu'ils sont forcément croisés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à 19 ans, Rimbaud a totalement arrêté d'écrire. Il n'écrira plus jamais. Il vient de vivre encore une rupture avec un poète qui s'appelle Germain. Et Van Gogh, lui, n'a pas commencé à peindre. Il bosse encore dans la galerie d'art de son frère. Et il est extatique, il croit en tout. Et donc, il a imaginé leur rencontre. Et c'est Bruno qui a mis en scène ça. Et la pièce était vraiment incroyable. Donc, j'ai eu la chance de jouer Rimbaud. Et c'était vos débuts. Exactement. Et mes débuts en tant que comédien. Et Jérémy Ferrari est avec nous jusqu'à 9h30. D'autres anecdotes. Avec d'autres anecdotes qui sont passionnantes. On revient dans un instant, ne bougez pas.